c'était il y a 3 ans. On est début novembre, c'était un jour pluvieux et je rejoins Cédric qui est garé. Je t'attendais. Et puis, ouais, donc il y a de la complicité qui se crée. Du mystère. De suite. Comme si on se connaissait depuis toujours. Mmh. Très vite. Alors que non. Très vite, je me suis dit qu'on allait bien s'entendre et que c'était pas la dernière fois qu'on allait se voir. Je regardais même tes mains. Je me disais, elle a de belles mains. Alors que moi, j'avais tout le loisir de me narguer. De se regarder. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ah, si, quand même. Ah. Le ciel, il est noir alors qu'on est début de soirée. Des nuages de partout. Je pense qu'il y a des éclairs. On a énormément de vent. Il pleut des cordes. Donc il y a la voiture avec les essuie-glaces. La voiture qui bouge avec le vent. Il y a de la buée dans la voiture. J'y vois pas grand-chose. Heureusement que j'étais là. Ouais. Et dehors, c'est le chaos, quoi. Donc il y a une espèce de barrière autour. Dans ce chaos-là, il y a une voiture qui semble un peu fragile. Et dans cette voiture fragile, il y a un super moment qui se crée de totale lumière et de bonheur. C'est un moment de poésie un petit peu. Mmh. C'est un beau moment. Un peu hors du temps. Il y avait deux dieux qui s'affrontaient en duel en hauteur. Un qui nous protégeait, qui nous crée de la lumière. Qui étire le temps, et l'autre qui essaye de démonter la voiture, de nous faire avoir un accident. Mmh. Et nous, on est là au milieu, et on le voit même pas. Seul et unique trajet avec cette voiture. Elle a démarré l'histoire, et elle a pas vu la suite. Peut-être que c'est une voiture qui va de personne en personne aussi, et qui crée des histoires d'amour. Mmh. Oui. Genre, c'est une voiture spécialiste en covoiturage. Oui. Elle fait qu'un trajet. Il fallait qu'on la laisse alors. Le travail était fait pour nous. Mm. The Love Car. Super pouvoir. Ah ouais.